Bonjour à tous, c'est Pumpkin Man et bienvenue dans ce Watch Actu numéro 59, toujours en compagnie de Suriplay. Comment ça va Suri ? Ça va très bien, toi mon cher Pump ? Ça va très bien, comme d'habitude. Au sommaire de cette vidéo, focus sur le match à mort par équipe compétitive qui vient d'être ajouté en arcade pour l'intersaison des parties compétitives. On passera en revue les diverses actualités Overwatch de la semaine et nous ferons un tour des forums et des créations de la communauté pour enfin finir sur notre traditionnel débat. Attaquons donc tout de suite avec la une de la semaine. La saison 12 des parties compétitives s'est terminée lundi à 1h du matin et la saison 13 vient de commencer aujourd'hui. Pendant ce très court laps de temps, Blizzard a tout de même pensé à nos ardeurs compétitives en introduisant pour la première fois le match à mort par équipe compétitif dans le mode arcade. 8 joueurs s'affrontent en équipe de 4 sur une carte match à mort et la première équipe à atteindre 30 kills remporte la partie. Un excellent moyen de récupérer les derniers coffres d'Halloween tout en gagnant des points de compétition. Car oui, comme à chaque événement compétitif, vous pourrez gagner des points de compétition pour garnir votre collection d'armes en or. Je vous conseille d'aller au bout de vos matchs de placement pour obtenir un boost de points selon votre classement final, 300, si vous finissez platine par exemple. Pour avoir réalisé une trentaine de parties sur ce mode de jeu, je dois dire qu'il est vraiment nerveux et sympathique à jouer. Les teamfights s'enchaînent vite, il n'y a pas de temps mort car vous avez toujours un adversaire esselé à aller chercher et les respawns sont bien gérés. En bref, un très bon mode de jeu à tryhard avec ses amis. Maintenant que cela est dit, on passe aux actualités de la semaine. On commence les actualités avec l'équipe de France. Oyez camarades, il est temps de supporter notre 6 par-delà les mers. La France affronte le Canada en quart de finale de la Coupe du Monde Overwatch à l'occasion de la BlizzCon aujourd'hui même. Le rendez-vous est fixé à 22h15 sur la chaîne O'Gaming TV pour voir notre cast français faire vivre ce grand moment d'e-sport. Pour les accompagner, deux invités de marque ont été choisis. Féfé, ancien coach d'Eagle Gaming et à présent coach pour le développement des joueurs dans l'équipe de Paris en Overwatch League, mais également Hip, joueur support de cette même équipe. On a hâte de découvrir tout ça et l'on espère vous voir également sur le chat Twitch. On passe ensuite au fameux mode spectateur, qui est à présent disponible en pré-téléchargement. Nous en parlions dans de précédents numéros, vous aurez l'occasion de tester la bêta de ce nouvel outil lors de la Coupe du Monde. Suivez les matchs selon la perspective que vous souhaitez, comme si vous étiez la personne en charge d'être l'observateur. Pour ce faire, Blizzard a concocté une petite checklist afin d'installer et de recevoir des conseils permettant de profiter au mieux de cet outil en plein test du feu. Nous vous mettons le lien en description pour retrouver cet article sur le site Play Overwatch en version française. Terminons ces actualités en beauté avec un produit dérivé. Depuis quelques temps, nous apercevons divers personnages d'Overwatch être déclinés en figures Nendoroid. Après Torbjorn et autres personnages, annoncés en grande pompe, c'est au tour d'Ange de faire l'objet de toute cette attention, notamment dans un skin Cobalt qui lui sied si bien. Décidément, la liste de Noël s'agrandit de plus en plus et nos porte-monnaies nous font de l'œil. C'en est à présent terminé des actualités diverses de la semaine et l'on passe tout de suite au tour des forums. Un utilisateur du forum Blizzard a remarqué que les derniers changements du patch PTR 1.30 sur Faucheur, et notamment la réduction de la randomisation de la dispersion de son arme, constituaient finalement un nerf plutôt qu'un buff comme on pouvait s'y attendre. Pour prendre un exemple rapide, auparavant, Faucheur avait besoin de 3 tirs avec ses pompes funèbres pour éliminer un robot d'entraînement à 10 mètres. Avec le patch, il en a besoin de 4. Cela signifie qu'en partie, il va être plus compliqué pour lui d'aller faire tomber des cibles plus fragiles. Cependant, Jeff Kaplan est intervenu indiquant que des changements allaient être effectués pour la prochaine version du patch visant à corriger ce problème, et en rappelant bien que ces changements n'ont jamais eu pour objectif de nerf Faucheur. Mauvaise nouvelle pour les utilisateurs de Linux. Un portage sur le fameux système d'exploitation au pingouin n'est actuellement pas en considération du côté de Blizzard. Ce n'est pas la volonté qui manque, mais le travail que cela demanderait ne place pas cet ajout au sommet de la liste des priorités de l'équipe de développeurs. Il va donc falloir attendre avant de pouvoir réaliser quelques headshots sur une machine Ubuntu. Maintenant que nous avons fait le tour des forums, place aux créations de la communauté. Comme chaque semaine, nous vous présentons quelques créations de la part de la communauté Overwatch. On commence par vous présenter un gif plein de mignonneries réalisé par l'artiste Jackie dit It's Jackie Lee sur Twitter.
Cette dernière a souhaité rendre hommage à la période d'Halloween et la fameuse tradition du porte-à-porte, des bonbons ou un sort. On y découvre les différentes personnalités des héros d'Overwatch face aux nouveaux visiteurs, espérant recevoir quelques petits délices sucrés. Une création qui mérite le coup d'œil et qui donnera du baume au cœur à toutes celles et ceux qui poseront leur regard dessus. Nous avons également décidé de vous introduire un gigantesque travail de la part de l'artiste Sandra, dite Alexis SGH. Cette dernière a réalisé une création par jour sur tout le mois d'octobre, dont certaines font référence à l'univers d'Overwatch. Le résultat est tout à fait admirable, et au-delà de vous conseiller d'aller voir uniquement la hanche que nous vous relayons, c'est toute la discussion que nous vous invitons à consulter. Bravo à elle. Quoi ? Vous n'avez pas eu assez d'Halloween ? Pas de panique, nous terminons en beauté avec une réalisation de la part de l'utilisatrice Songbird, relayée sur Twitter. Elle nous présente sa citrouille complètement personnalisée dans l'esprit de Diva. Toute de rose vêtue, arborant le célèbre logo de la jeune femme, de petits ailes et une lumière bleue pour sublimer le tout, nous n'avions jamais vu pareille création. Nous vous rappelons qu'en description, vous pourrez retrouver les liens vers ces différents contenus. N'hésitez surtout pas à aller suivre le travail de ces artistes qui le méritent amplement. C'en est à présent fini d'écrire à la commu et l'on passe tout de suite au débat de la semaine. Cette semaine, nous souhaiterions connaître votre avis sur le match à mort par équipe. Ce mode de jeu est-il adapté au format compétitif ? Constitue-t-il, selon vous, une bonne animation d'intersaison compétitive ? C'en est désormais fini de ce Watch Actu numéro 59. Si vous ne souhaitez louper aucune de nos émissions, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de nous suivre sur notre compte Twitter. D'ailleurs, ce dernier devient plus actif, n'hésitez pas à y jeter un œil de temps à autre. Enfin, si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à la partager autour de vous. Sur ce, c'était Pumpkin Man, à plus en LAN. Salut tout le monde!